Hello tout le monde, alors je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur les Mac M1, on a parlé des performances, des atouts, des inconvénients, on a aussi fait une vidéo comparative MacBook Air ou MacBook Pro, voilà j'ai testé les deux et c'était vraiment quelque chose qui revenait. Aujourd'hui on va s'intéresser au Mac Mini, vous étiez nombreux à me demander une vidéo dédiée au Mac Mini, est-ce qu'il faut craquer, est-ce qu'il vaut mieux attendre, quelle config choisir, voilà les principaux éléments qui seront abordés dans cette nouvelle vidéo. Bon, on a toujours le même format, compact, il a toujours la même gueule ce Mac Mini, alors je pense que c'était pour réutiliser ses chaînes de production qu'Apple a fait ça pour les sortir assez vite. Évidemment quand on l'ouvre, bah là tout est soudé, on peut même plus changer la RAM contrairement au modèle précédent, on peut pas changer le SSD non plus. C'est dommage parce qu'en plus il y a beaucoup de place, on aurait pu se dire voilà Apple aurait pu mettre un petit connecteur pour mettre un SSD. Non, ils l'ont pas fait. Alors par contre il y a toujours un ventilateur, vous voyez il prend lui pas mal de place mais on l'entend presque jamais. Là par exemple j'ai fait des tests en mettant World of Warcraft sur un écran 6K, XDR et tout d'Apple. Franchement la machine elle reste ultra fraîche, on est dans les 30 degrés donc ça c'est vraiment pas mal. Et c'est lié aussi à la consommation électrique, une puce ARM ça consomme beaucoup moins qu'une puce Intel. Regardez ici on est à 20-30 watts maximum contre plutôt 80 watts chez Intel, donc là encore la différence est quand même assez énorme. Alors un petit exemple, ici on est sous Final Cut, une vidéo 8K, vous voyez, qui tourne donc à 25 fps, sans lag, sans drop frame. Regardez un peu la température des CPU, on est à 35-37 degrés, et puis je vous fais écouter ce magnifique Mac Mini. Pas un bruit, voilà c'est normal, le ventilateur est à 1700 tours, autant dire rien du tout. Alors la connectique sur ce Mac Mini elle est assez complète, déjà c'est le seul Mac M1 qui a par exemple des ports USB-A, ils les ont laissés, c'est plutôt cool. Il y a encore une prise jack aussi, ça c'est bien, hein, tous ceux qui font du montage et tout, ça évite de mettre des adaptateurs. On a la prise HDMI, très pratique si vous le mettez sur une télé, un vidéoprojecteur ou même certains écrans PC que vous voulez réutiliser. Une prise Ethernet, on y reviendra juste après, mais par contre on a que deux ports Thunderbolt 3, alors ils sont aussi USB 4 mais bon ça nous fait une belle jambe, vu qu'il y en a que deux, vous mettez un SSD, un écran, voilà c'est déjà tout pris. Et puis surtout bah, ils sont mal positionnés, regardez. Par exemple, ici j'ai rempli les ports Thunderbolt et je voulais mettre le HDMI, bah, la prise était trop large, donc c'était quand même ballot. Quand on n'a pas beaucoup de ports comme ça, on les écarte un petit peu. Donc voilà, on perd quand même pas mal hein, par rapport à Intel. Alors après, il y a des limitations aussi au niveau des écrans. Ça peut être un peu plus pénible. Avec la version Intel, on pouvait en mettre 3, là on peut en mettre plus que 2. Et encore, il faut en mettre un sur le HDMI obligatoirement. Et nous, on a eu des bugs par exemple avec un écran 5120 par 1440 de chez Philips. Voilà, il était que en 30 Hz en HDMI, donc ça c'est vraiment pas utilisable. On a dû passer par un dock Thunderbolt pour le faire fonctionner. Donc voilà, si vous avez par exemple deux écrans USB-C, ça va pas marcher, ou un écran Thunderbolt, un écran USB-C non plus. Par contre, voilà, au niveau des résolutions, c'est vrai que tout ce qui est 4K, 5K, 6K, on n'a pas eu tellement de soucis, ça a toujours bien fonctionné. Et puis il y a des gens qui sont passés par le protocole DisplayLink, je sais pas si vous connaissez, ça permet en fait de connecter des écrans en USB. Voilà, donc après vous pouvez mettre des docks pour les connecter avec des ports HDMI, DisplayPort, etc. Ça consomme un peu de CPU, les pilotes sont pas toujours très très stables, ça demande du hardware spécifique qui coûte cher, hein. Les docks c'est quand même des fois une bonne centaine d'euros minimum. Donc à vous de voir un petit peu en fonction de vos besoins, mais c'est vrai que si on veut plein d'écrans, c'est peut-être pas forcément la machine idéale. Alors une autre limitation que beaucoup n'ont pas relevé, mais c'est vrai qu'en testant les disques USB, eh ben, j'ai été un peu surpris, puisque regardez ici, j'ai des disques USB en 3.1 Gen 2, donc 10 gigabits, 1 gigaoctet par seconde, et là effectivement sur mon MacBook Pro, il n'y a aucun problème, sur la version Intel, je suis bien à 1 gigaoctet seconde, enfin à peu près, et ici sur le Mac Mini, alors là c'est la grosse déception, j'ai quasiment des débits divisés par 2, là j'étais à 600, 500 mégaoctets seconde, donc c'est beaucoup moins bon, en fait le contrôleur USB est moins bon, voilà, faut le dire, alors qu'en interne, regardez, on a du 3 gigaoctets seconde sans souci, voilà, tout ce qui est Thunderbolt et tout, ça marche bien, mais là, c'est vraiment décevant, et je pense que sur les prochaines générations, enfin, j'espère que les contrôleurs USB seront un petit peu meilleurs, mais là, avantage quand même largement Intel. Alors les amis, on est de plus en plus nombreux à télétravailler en ce moment, et c'est vrai qu'on a beaucoup des ordinateurs portables qui sont pas toujours idéaux ergonomiquement, mais souvent un petit peu trop penchés, alors d'où l'idée de sortir des petits supports comme ceci pour les surélever, et puis Ugreen, donc qui est notre sponsor cette semaine, on les en remercie, a développé XKit. Donc il y a un support pliable extrêmement compact, regardez, qui combine également un dock USB-C et de nombreux ports. Alors il est livré avec une petite housse de transport et un câble USB-C, il pèse que 280 grammes, c'est parfait hein, pour le glisser dans un sac. Et ensuite il suffit de le déplier pour venir le placer donc sous la machine. Alors il embarque deux ports USB 3, un port HDMI, un lecteur SD, un lecteur micro SD jusqu'à 100 mégaoctets seconde, un port USB-C donc pour le reconnecter à la machine. Il existe des modèles plus complets, c'est vrai, sur le marché des fois, avec de l'Ethernet, avec de l'alimentation qui sont aussi plus gros, mais on va dire que ici, franchement ça fait le job, c'est largement suffisant en mobilité. Alors ce X-Kit il est globalement très qualitatif avec 4 angles de 15 à 33 degrés, une surface antidérapante, des matériaux globalement de très bonne facture. Après quelques jours d'utilisation sur un MacBook Pro 13 pouces et même un 15 pouces, bah franchement ça s'est avéré très pratique, très stable et très fonctionnel avec les petits ports sur le côté. Alors pour le moment le X-Kit il est disponible uniquement sur la page de Indiegogo à 59 €, soit 50% de réduction avant sa commercialisation. Vous trouverez bien sûr tous les petits liens sous la vidéo. Alors un mot sur le réseau, là aussi on perd des choses par rapport à Intel, notamment le port 10 gigabits. Moi je pense qu'il manque de ligne PCI
AliExpress, celui-là il est que gigabit, voilà, en local, quand vous êtes connecté à des NAS et tout, c'est quand même cool d'avoir un petit peu de débit, même maintenant il y a de la fibre optique en 10 gigabits, donc voilà, tant pis. Par contre on récupère le Wi-Fi 6, alors ça c'est bien, puisque regardez dans nos tests, on gagne 150 mégabits là sur notre connexion fibre gigabit, donc c'est quand même cool, et aussi la connexion est plus stable, nous on le voit quand on fait des lives, de la visio et tout, donc voilà, un mal pour un bien, mais c'est vrai que si vous vouliez du 10 gigabits, bah attendez, je pense, les prochaines générations. Bon, on va parler un petit peu des performances, alors je vais pas vous refaire toute la vidéo que je vous ai fait, je vous la remets en fiche, parce que j'ai passé beaucoup de temps, elle est très complète, et puis c'est la même puce sur tous les Mac M1, donc c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo dédiée. Ce qu'on retiendra ici, c'est qu'effectivement on a une puce qui est ventilée, qui reste bien froide, qui a 8 cœurs, 4 cœurs rapides, 4 cœurs lents, on appelle ça la technologie Big Little, ce qui permet d'économiser de l'énergie au repos. Ce qu'il faut retenir sur les Mac Mini, c'est qu'on est beaucoup plus rapide que l'entrée de gamme d'avant, qui était du Core i3, du Core i5 hein, en 2018. Par contre, regardez sous Logic ici, face à un Core i7 à 6 cœurs, voilà, pourtant bien optimisé par Apple, etc. pour Big Sur, et ben là, les performances sont quand même un petit peu moins bonnes avec notre M1, voilà, le i7 reste devant. Donc voilà, ici on a 4 cœurs rapides, mais on a quand même 4 cœurs qui ont du mal à tenir la charge. Bref, on a une bonne puce, mais qui reste entre guillemets de l'entrée de gamme chez Apple, le meilleur hein, restant à venir. Alors je voulais quand même revenir sur une partie qui est assez impressionnante, c'est tout ce qui est vidéo et photo, puisque la puce M1 en fait, elle intègre comme des petits calculateurs spécifiques à l'intérieur qui permettent d'optimiser certains traitements, la lecture de certains formats vidéo, l'application de certains effets sur de la photo, des flous, tout un tas de choses. Ce qui fait que dans certains traitements, vous allez avoir des scores assez incroyables. On l'a vu dans des softs de photo, on l'a vu dans, bah, par exemple, je vous ai fait des bench là sous Resolve, et, où vraiment ces machines, en fait, elles défoncent des MacBook Pro 15 pouces, 16 pouces, même des iMac. Et on se dit, c'est pas possible, on a une timeline 8K, même sur un MacBook Air. D'ailleurs, il y a mon ami François là qui a mis à rude épreuve un Mac Mini avec une timeline 8K, avec des effets et tout, c'était super fluide. Et il a mis du temps avant de la mettre à genoux. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, waouh, cette puce est incroyable, mais faut pas oublier, voilà, qu'elle est optimisée pour ces traitements là, que ce sera pas le cas partout, et que effectivement, bah, par exemple, on l'a vu sous Logic, là on est un petit peu plus lent. Donc voilà, c'est super qu'Apple arrive à faire des choses comme ça, mais il faut se méfier, ce sera pas le cas dans toutes les applications non plus. Alors sur la partie graphique, je vais pas vous refaire les bench, là encore je vous renvoie la vidéo qu'on a fait sur les performances, mais c'est vrai qu'on a une carte qui est quand même très rapide à l'intérieur, puisqu'on est à peu près deux fois plus rapide qu'un GPU Intel intégré, on est au niveau d'une 560X, donc une carte qui était présente il y a 2-3 ans sur les MacBook Pro 15 pouces, donc c'est vraiment pas mal pour une génération comme ça. Après on n'est pas au niveau des grosses cartes AMD hein, ou même des cartes qu'il y a dans les Mac Pro évidemment, donc il faudra encore un petit peu de temps avant qu'Apple y arrive. Il y a du potentiel, en tout cas, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de gestion des IGPU, vous savez, des cartes graphiques externes qu'on vient brancher là dans ces gros boîtiers. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Alors, tous ceux qui font de la vidéo, ils me disent « Ah, mais oui, mais regarde en vidéo, c'est déjà tellement performant. » Alors, c'est vrai que c'est performant en vidéo, mais par exemple, si vous mettez un écran XDR 6K ou deux écrans 4K, bah, la puce, déjà, la puce graphique, elle va être sollicitée pour afficher l'écran. Donc, vous allez perdre un petit peu déjà en performance. Par exemple, je vous ai fait un test avec World of Warcraft. Voilà, vous mettez le même jeu avec la même config, entre guillemets, vous allez avoir 35-40 FPS sur l'écran 6K, vous allez avoir plutôt 45-50 FPS avec l'écran 4K, parce qu'il y a moins de pixels à gérer globalement. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier de cette petite puce, on peut plus décharger par exemple l'affichage de plusieurs écrans par le GPU externe, et puis par exemple profiter de la puce pour gérer votre timeline 8K, et là on va être un peu plus limité. Donc c'est vrai que cette machine qui était très polyvalente finalement pour du montage, bah, elle peut devenir un petit peu plus contraignante aussi sur la durée. C'est pour ça que je vous dis, attendez, il y aura peut-être des modèles un petit peu plus performants qui géreront les IGPU, mais pour l'instant, voilà, on reste un peu sur, entre guillemets, de l'entrée de gamme. Alors, on m'avait posé beaucoup de questions sur les usages, c'est-à-dire à qui se destine finalement ce Mac Mini, et c'est vrai que c'est déjà bah, le Mac M1 le moins cher, hein, il coûte 799€, donc si vous avez déjà un écran que vous pouvez réutiliser, clavier, souris et tout, c'est vraiment hyper économique. Et puis, le Mac Mini, c'est un peu le Mac à tout faire, c'est-à-dire qu'il est idéal pour de la bureautique, il est idéal pour du graphisme, pour du développement, même pour de la photo, il y a beaucoup de photographes qui l'utilisent. Après, vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous pouvez faire un peu de montage avec, là on l'a vu, ça marche quand même assez bien, vous pouvez faire aussi un petit peu de jeu, tout ce qui est 2D, 3D, ça va quand même fonctionner, mais faut pas non plus le surestimer, c'est-à-dire que par exemple pour une machine de bureau, il y a quand même pas beaucoup de ports, vous allez être vite très limite. Son CPU, c'est pareil, on l'a vu là par exemple sous Logic, on est encore loin des cores i9 par exemple, des Mac Pro, des gros iMac, etc. ou même des anciens Mac Mini un petit peu haut de gamme, donc attention à pas le surestimer. Et puis, il y a toute la partie software. Quand vous regardez par exemple, alors ça évolue très vite, hein. Là par exemple pendant que je faisais ma vidéo, il y a Office qui a été porté sur ARM, il y a aussi Lightroom, Photoshop qui est en bêta qui arrivera l'année prochaine, Pixelmator, Cinema 4D, il y a plein de petits utilitaires comme Antidot, la Little Snitch, Slack, Edge aussi qui a été porté sous Intel, mais il y en a plein qui ne sont pas, par exemple AutoCAD, Archicad, Avid, pendant tout ce qui est vidéo, CocoaPods chez les développeurs, Parallels, Cubase, voilà, qui n'a pas encore été porté, Docker, très utilisé, alors là ils ont sorti une bêta, mais voilà, elle n'est pas complètement fonctionnelle, elle n'est pas complète, donc il va falloir attendre
l'année prochaine. Illustrator, on l'a vu, elle marchouille, mais en fait elle est extrêmement buggée hein, avec Rosetta, donc la version Intel. Donc voilà, en fait on va avoir pas mal de manques, et des fois même à l'intérieur des programmes, c'est-à-dire vous allez avoir des programmes qui vont fonctionner, mais il va vous manquer les plugins. Donc tout ce qui est audio, vidéo, là par exemple c'est vraiment typique, des fois il vous manque des plugins, il faudra attendre 6 mois, 1 an avant qu'ils soient portés. Donc moi mon conseil finalement pour les pros, c'est si vous êtes sûr de vous, par exemple vous êtes photographe, vous avez du Lightroom, vous savez quel écran vous voulez utiliser, le nombre de ports ça vous suffit, vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés. Mais si vous avez besoin de plus de 100 pistes sous Logic, si vous avez besoin de plein de disques dans Final Cut, plein de plugins, attendez, il y aura les Mac M2, ils auront 16, 32 cœurs, ils auront un gros GPU aussi, il y aura peut-être des GPU externes, et ils vont arriver dans les iMac, dans les Mac Mini Boosté, peut-être dans les Mac Pro aussi, vous aurez plus de ports. Franchement, ça vaut le coup d'attendre. Voilà, ici on reste quand même sur des machines qui sont expérimentales, donc attention, je le redis, à pas surestimer les usages. Bon, on va parler un peu de config. Bon, ça va aller vite parce qu'il y a que le disque et la mémoire que vous pouvez configurer. Alors la grosse question, c'est 8 ou 16 Go de RAM. J'ai vu des articles complets là-dessus. Peut-être je vous ferai une vidéo dédiée, mais en tout cas, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que oui, macOS sait gérer 8 Go. Il fait du swap, c'est très rapide là avec la plus M1. Il fait de la compression mémoire. Donc quand il a que 8 Go, il se débrouille. Il n'y a pas de problème. Il va pas refuser de vous lancer des applications. Par contre, quand il a 16 Go, il sait les exploiter. Donc quand vous avez 16 Go, forcément, ça va aller quand même un petit peu plus vite. Et puis suivant les traitements que vous allez faire, vous pouvez tout à fait saturer la mémoire. Moi, avec simplement Safari, regardez les onglets là, ça prend entre 400 et 700 mégas, vous en ouvrez 30, vous saturez largement votre mémoire. Vous utilisez plein de programmes à la fois, c'est des choses qui sont pas forcément faites quand vous voyez des tests, des benches de Mac Mini, on vous lance juste Lightroom avec quelques exemples de photos. Mais voilà, vous avez des fois pas que Lightroom, il y a Pixelmator à côté, il y a Photoshop et tout. Donc il faut bien prendre en compte que de la mémoire, bah, c'est aussi de la mémoire à partager entre les applications. Regardez par exemple World of Warcraft, ça prend quand même la moitié là des 8 Go. Donc voilà, sur des jeux un petit peu plus récents, je pense que on va aussi avoir besoin un peu plus de mémoire. Et puis aussi, faut pas oublier que si vous mettez plein d'écrans, c'est le cas du Mac Mini, vous mettez deux écrans 4K par exemple, ça va bouffer de la mémoire aussi, puisque c'est de la mémoire qui est partagée. Donc plus ça va, plus les écrans vont être grands, vont avoir plein de pixels. Donc plus vous allez avoir besoin en mémoire. De manière générale, les sites web, les applications grossissent. Donc ça, 16 Go pour moi, c'est un bon investissement sur la durée. Mais c'est vrai que si vous faites vraiment que de la petite bureautique, vous voulez pas mettre trop d'argent, vous pouvez laisser à 8 gigas, ça va quand même très bien fonctionner. Bon, pour le disque, ça dépend aussi de vos usages, hein, comment vous stockez vos photos, vos vidéos, vos applications, mais c'est vrai que 256 Go, c'est pas beaucoup quand même. Même moi, par exemple, juste pour mes logiciels de bench, j'arrive déjà au bout, il me faut au moins du 512 Go. Donc imaginez, le système prend quand même de pas mal de place, les applications sont quand même aussi de plus en plus grosses. Méfiance aussi si vous utilisez des disques externes, puisque en USB, vous n'avez pas de trim, vous savez, c'est-à-dire que les performances vont se dégrader petit à petit sur la vie du disque, alors que vous l'avez sur le Thunderbolt, mais le Thunderbolt, ça coûte cher. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas booster un petit peu le disque de base plutôt que d'aller mettre du Thunderbolt qui en plus vous monopolise un port, à vous de voir aussi. Mais c'est vrai que voilà, si vous n'avez pas un énorme usage, vous faites un petit peu de vidéo de temps en temps, un petit peu d'audio de temps en temps, un peu de bureautique, que vous stockez tout sur des disques externes, ça peut suffire. Mais en tout cas, 16 Go, 512 Go, ça me paraît la config un peu idéale si vous voulez garder cette machine assez longtemps. Voilà les amis, pour ce petit test du Mac Mini qui est donc un vrai coup de cœur cette année. En attendant, n'hésitez pas à me poser des questions, à réagir si vous avez cette machine, à nous dire ce que vous faites, est-ce que vous êtes content ou pas content. Moi j'ai des pros qui l'ont quand même rendu, qui l'ont un peu surestimé. Au contraire, j'ai des gens qui voilà, venaient d'un iMac un peu poussif, qui ont trouvé ça génial. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, je pense que ça peut aider pas mal de monde. En attendant, on like, on s'abonne à la chaîne. Je vous ai mis aussi tous les petits liens sous la vidéo. On télécharge nos applications Mac Forever, c'est de l'actu, des bons plans toute l'année. Et nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! I have cause aside from my soul.